Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters sur PES 2018 où on va démarrer aujourd'hui la nouvelle saison. Avec le Paris Saint-Germain. Voilà. On voit, on a fait 8e de finale en Champions League. On n'a pas gagné la Super Coupe de l'UEFA. On est arrivé en finale de la Coupe internationale des clubs et on a gagné le Trophée des champions, la Coupe de France et la Ligue 1 du coup. Dans le dernier match, tout à la fin, sur la dernière journée. On voit les rapports Torres, Umtiti, Marquinhos, Torres, vraiment l'homme fort de la saison. Et c'est Amiens et Lorient qui montent et Lens et Metz qui descendent. D'abord, il y a les qualifications européennes. Alors voilà, c'est le moment des buts. De nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe jeune. AC Milan off pour Bale. Toulalan qui revient au club. Kuyt qui revient. Darkspace qui revient. Et voilà, maintenant on a les buts de Zlatan Ibrahimovic avec le Paris Saint-Germain. Il est retourné à Manchester United. C'est parti, il n'y en a pas beaucoup. Let's go. Reste pour Mbappé. Mbappé vers Ibra qui ouvre le score. Mbappé. Torres. Ibra. Mbappé trouvé. Et Ibrahimovic. Ibra qui égalise. De partout. Et là c'est Ibra. Ibra qui va frapper. Magnifique. Filta Osinho, le centre vers Zlatan qui marque. Campos, Kimpembe qui va centrer et le doublé de Zlatan. Alors après Zlatan c'est Ocampos. Il me semble pas qu'il ait marqué. Si c'est le cas, voici ses buts. Mais à mon avis, il n'en a pas mis. $53 millions de contrats. Alors, négociation, on va tout de suite recruter les joueurs. Alors, on a pas mal d'offres. Offre de prêt pour Torres. On va la refuser. 31-8-2021. Non, il prolonge. Hop, on va l'enlever. Transfert. 71 millions pour Bale. Bale, 5 buts, 35 matchs joués. À droite, ouais, j'ai Torres, je fais jouer Mbappé, j'ai Kuyt. Vous savez quoi, j'ai envie de le vendre. Combien il me rapporte en salaire en plus? 16 000. Allez, je le vends. Je vends Bale, désolé. Une saison donc à Paris. Et voilà. Ses buts donc avec le Paris Saint-Germain. Hernandez vers Origi. Le bon jaillissement. Thomas Lemar, le centre. Oh, vers Bale. Et Gareth Bale. Gareth Bale qui enroule et qui marque. Et ça fait aussi impatient que nous d'assister au coup d'envoi. Et Gareth Bale qui ouvre le score. Dès les premières. Allez, le ballon pour Hernandez. Hernandez, le centre vers Bale qui marque. L'écart, il joue sur l'aile. Et Bale. Les deux rentrants qui font la différence.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre offre? On a Bellerin qu'on ne vendra pas. Marquinhos qu'on ne vendra pas. Tout, 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 ça continue. Alors, on a Morel qui nous a rejoint. Valencia, Rami, Keitfeld-Tausigno, Ndji, Toulalan. Toulalan, je vais le vendre. Gouffran. Je vais même pas le prêter, mais normalement, il va s'en aller. Ayovi. Ayovi, d'où il sort lui? Je l'ai acheté. Ah, j'ai acheté aussi, donc j'ai prêté Morel. Morel et Filtausinho. Ah non, il est parti en prêt. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais accepté une offre de prêt pour Filtausinho. Donc je vais prêter Morel à droite. Alors en défense, j'ai Bellerin, Marquinhos, Umtiti, Diop, Kimpembe, Rami. Je vais prêter Rami. Il est déjà. Voilà. Autre club. Donc. Ah, on a toujours. On a toujours Niang. C'était un an. Donc jusqu'à la période hivernale. Alors. On peut prendre les deux, je pense. On peut prendre les deux. Hazard d'abord, pour être sûr. Tac! Eden Hazard a rejoint l'équipe. Et Luis Suarez, voilà. Deux renforts de poids. Et Thomas Lemar, est-ce que je l'ai mis sur la liste des transferts? Oui. Et on va voir qui c'est qu'on a dans l'équipe jeune qui a rejoint. Non, note globale. Tchouktereo, Handanovic, je me souviens pas qui c'est qu'on avait. Tremolinas, Stéphane Ruffier. Un gardien, Amouma, Flamini, Danzé, Guillaume Hoarau, Nolan Roux, Rodelin, Clément Chantome, Noguera, Tardieu. Je peux pas les virer, c'est dommage. Ah, j'ai pas mal de bons petits jeunes, enfin de joueurs de Ligue 1 quoi, classique. Gouffran qui augmente à 79. Valencia qui apprend fin de ciseaux. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles offres? Ah, ouais. Suarez qui rejoint. Qui revient à Paris. Valencia, Lemar, Isco. Bale a quitté le club. Alors. Isco. Waouh, 107 millions. Lemar. Me souviens plus pour combien je l'avais acheté. Je vais essayer de monter un peu le prix. De 2 millions déjà, c'est pas mal. Et Valencia offre de prêt, mais j'ai pas d'autres défenseurs droits. Donc non. Et recrutement. Ouais, ça a du mal à chercher, c'est pas grave. Allez, on continue d'avancer. Filtausinho 78. Et là, normalement, on va réussir à vendre Thomas Lemar. Monaco Fenoche pour Rami. La Corogne pour Gouffran. Villarreal pour Lloris. West Ham pour Cuyt. Et Lemar, il est du nouveau
du nouveau dans les négociations. Alors, clac, mon équipe, Isco, on refuse, Lloris, on refuse, Lemar, 23 millions, condition acceptée. Voilà. Et voici tout de suite les buts de Lemar avec le Paris Saint-Germain. Oh, quel geste! Mbappé, le centre! Et Thomas Lemar, cette fois le buteur. Alors, Gouffran, offre de transfert. Hop. On accepte. Et voici donc les buts de Gouffran avec le Paris Saint-Germain. C'est parti. Torres. Torres vers Gouffran qui ouvre son compteur but. Mbappé. Gouffran. Gouffran qui frappe et qui marque son deuxième but. Torres qui est passé. Ah, ce ballon un peu trop long de Ronaldo. Torres qui va centrer vers Gouffran et qui marque. Le jeu repart vers la droite. C'est parti. Oh, et Gouffran le doublé à son tour. La passe dans la profondeur. Oh, le ballon pour Torres et Gouffran. Et c'est magnifique. Voilà quelques buts. Kuyt offre de prêt à West Ham. Il a renouvelé son contrat, ouais. On l'envoie à West Ham. Rami à Monaco. On l'envoie à Monaco. Voilà, pour les faire progresser, ces jeunes. Recrutement. Sanchez, Cristiano Ronaldo, il me propose. Du Napoli. Alors dites-moi si vous voulez que je le reprenne. Burki. J'ai envie de le reprendre. Le problème, c'est que j'ai pris Suarez, j'ai Neymar. Je saurais pas où le faire jouer en fait. Allez, on avance. Cette vidéo va être un peu longue. Vu qu'il y a ça. Et les matchs. On a des matchs, comment ça s'appelle? Internationaux. Je vais pas les jouer. Alors, offre pour. Dark Space, Valencia, Morel, Lemar Gouffran, Keita, Rami ont quitté le club. En prêt pour deux d'entre eux. Alors, clac, Dark Space, c'est un prêt. Suspendre. Politique, on va l'enlever. Il a combien? Il a 78, c'est pas mal. Keita, prêt, Rami, prêt. Valencia prêt. Valencia non, parce que j'ai pas d'autres défenseurs droits. Morel, un prêt d'un an. Oui. C'est parti. Et boum. Alors, voyons dans les joueurs listés. Qui c'est que j'ai? Dolberg. Dolberg. Il est jeune, c'est pas mal, mais s'il viendra pas, Ronaldo. Griezmann, je vais tenter. On sait jamais. Dembélé à gauche. Aussi, ça m'a l'air pas mal. Marco Asensio. Isco. Lemar. On va. Ah, il est parti à Dortmund, c'est vrai. Malcolm. Carrasco. Umtiti, Diop. Ok, je les ai. De Bruyne. Il avait joué avec nous, De Bruyne. Oui. Oui, je l'avais pris. Mendy, il avait joué un an. Odegaard, il est chez nous. Origi, il est chez nous. 80. Il restait bloqué à 80. Niang. Niang, on l'a encore en prêt. Cuivert. Cuivert, il a 22 ans seulement après 4 saisons.
Ngioré. Ng, on l'a. Totti. José Gomez. Allez. Le match, je vais le faire en mode entraîneur. Les matchs équipe de France là. En espérant les remporter. Et vous aurez les meilleurs moments. Hop. Nouveau pour Kluivert et Griezmann et Dembélé, ça tombe à l'eau. Alors, on va voir ça de suite. Échec, échec. Kluivert, près d'un an. Renégocier. Je veux l'option d'achat. 13 millions. C'est parfait. Kluivert, c'est un bon joueur. Alors, paramètres. Mode entraîneur. Clac. Plan de jeu. On va virer Hernandez. On va mettre Lucadigne. Tolisso. Kanté. Et pour le reste, ça me semble pas mal. C'est parti. Vous aurez les meilleurs moments du match. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. À l'affiche aujourd'hui, la France contre le Portugal. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Grégoire, c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Profondeur de la tête. Attention, c'est dangereux. Une autre chance. Pour la France. Il répond présent comme toujours. Ce joueur est hors norme. Vous savez ce qu'on dit, les grands joueurs répondent présents dans les grands matchs. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, il savait comment ça allait se terminer. Ouf, bon défilé! Il avait déjà marqué dans cette compétition. C'est donc son deuxième but. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Ça montre à quel point ils ont faim de victoire. Ils ont vraiment envie d'aller chercher cette qualification. Bien joué ça! Il envoie le ballon dans la... Et cette tête! Ouais, il a préféré jouer la sécurité. Poursuit son accélération. C'est joué long, attention. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il est bien monté. Sidi B, il a de l'espace. Il relance, côté droit. Griezmann. Kanté. Là, il peut centrer. Long ballon dans le sens du jeu. Qui est le premier sur ce ballon? Ça sent la tentative. Dans quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant.
pour repartir proprement. Font qui a un peu d'espace. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Dans l'espace. Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Le soutien de la frappe. Ça peut rentrer cette fois. Nouveau but dans ce match. Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Rui Patricio. Oh le gardien. Et c'est au fond. Il était attentif sur le premier tiers et coup de bol. Le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Ouverture vers le poteau de corner. Il joue dans l'espace. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il glisse le ballon en profondeur. La passe dans la profondeur. Allez, c'est dangereux. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Il tente de la jouer. Oh, l'aspiration ! Quel manque de précision ! Il ne pense qu'à tirer, comme beaucoup de footballeurs d'ailleurs. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Renato Sanchez. Ouverture lumineuse. Je repars vers la droite. Alors, que va-t-il faire? C'est bien fait, ça. Attention au centre. Passe interceptée. On en restera là pour cette première période. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien, écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on compte. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. La France qui a dominé cette première période de la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Pour trouver la faille dans la défense, dans la surface. Griezmann à droite. Il est sur le côté. Kanté en retrait. Ruben Neves qui cherche la profondeur. Umtiti. Le Portugal qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à Neymar. Alors là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Et c'est dégagé. Raphaël Varane. Voilà un marquage très agressif. C'est logique, vu ce qu'il leur a déjà fait.
Chat échaudé craint l'eau froide, comme vous dites. C'est joué, il peut frapper là. Oh, c'est dedans. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. C'est beau, il maîtrise complètement le match maintenant. Repiqué dans l'axe peut-être. Ce ballon bien dosé. Et il tire. Ça fait but. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Ils ont réduit le score, mais ils ont encore une montagne à franchir. La casette. La passe est précise. Il tente sa chance. Bien placé, le gardien. Il prend quelques centimètres sur son adversaire direct et ça lui permet d'avoir une bonne occasion. Ouais, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Oh, la casette. La casette qui choisit le côté gauche. La casette. Oh, l'énorme occasion de la tête. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir entrer en jeu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Il écarte le jeu. Belle passe lobée. Et c'est directement récupéré. Un long ballon vers l'avant. Il décide d'allonger le jeu. Oh, très bon ballon. C'est dégagé, loin devant. Oui, oui, il était hors jeu. Ah, effectivement, mais de peu. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Du gardien. Belle passe lobée sur l'aile. Dembélé reçoit le ballon. Attention à ce centre. L'interception, bien joué. Kanté qui cherche à construire. Un ballon intéressant. Et voilà, la victoire 4 buts à 1 de l'équipe de France. Va pouvoir continuer son parcours dans cette compétition, la qualification est assurée. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce la victoire 4 buts à 1. Avec un doublé d'Mbappé, un but de Lemar et le quatrième, je sais plus. Le quatrième, j'ai oublié. Et on est qualifié, oui, pour le prochain tour. Et là, le prochain match sera face à l'Ukraine. Et vu qu'on est qualifié, je vais directement le passer. Pour pas non plus rajouter trop de longueur à cette vidéo. Parce que je compte faire la tournée d'Asie en entier. Bon, il y a 3 matchs. Donc, elle est pas non plus super énorme. Mais c'est 3 matchs à jouer. Allez, Kluivert qui arrive en prêt. Un bon petit jeune, enfin un jeune, 22 ans. Lloris, non. Chut, Valencia. On refuse. Est-ce que je l'ai mis sur... Ouais, je l'ai mis... voilà, c'est pour ça que j'ai des offres. Allez, on passe le match face à l'Ukraine. Est-ce qu'on gagne?
Il est où ce match? France, 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 France. On fait 2-2. Et on est en tête du groupe. Allez, ben on... Ouf, FC Barcelone. Kluivert a rejoint les Clips. Classement. Pogba Isco indisponible pour des problèmes. Problème. Un nouveau joueur devrait nous intéresser. Alors, voyons ça. Qui devrait nous intéresser? Mustafi, Sergio Rico, Burki. Alors. Ah, ils m'ont directement changé. Combien de temps, les deux? Une semaine. Bon, ça va. Alors, voyons. Un point, je vais mettre Suarez. Je vais tester de toute façon ma nouvelle attaque. Je vais mettre Kluivert à droite. Bien sûr, Mbappé, je vais le mettre sur le banc. À place de Kimpembe, je vais mettre Ayovi à gauche. Pour le tester. Hazard, Suarez, Kluivert, Torres. Capitaine, c'est Marquinhos. Dark Space, Odegaard. Neymar, Werner. Ok, parfait, on y va. Ah, mais je l'ai fait là. Bon, c'est pas grave. Je vérifie que ça s'est pas mis quand même en mode entraîneur. C'est bon. On y va. Face au FC Barcelone. Après, on aura le Bayern. On a vu que Can. Il n'y a que Dembélé finalement. Qui reste encore à parmi les gros joueurs. Après, j'ai vu qu'il y avait Piqué également encore. Allez. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tulette. Salut Grégoire, C'est toujours un parti. plaisir de commenter un match avec vous. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent, Odegaard alors qui forcément son équipe intercepte, le bien pousse à joué. monter et il le fait Suarez bien. pour Eden Oui, Hazard. c'est bien possible, il est une base Eden indispensable de son Hazard, équipe. son premier ballon avec Paris et le but de Torres. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Le ballon de Eh bien, Suarez vous pour voyez, Hazard et on ne Hazard qui raconte trouve pas Torres que dans des la bêtises, quand même. surface. 1-0 pour Paris. Barcelone, il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Rafinha. Luis Dark Suarez. Space. Luis Suarez. Intercepté. Non. Ça soulage la défense. Le jeu repart vers la droite. Il est passé. Ou Écoutez attention, il sa est course. passé. Dans la surface. Il a bien aidé. Le Ouh, tir. Lloris qui Quand on capte. a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Bellerin. Torres. Il choisit la base Ah, sur qui l'aile. cherchait Kluivert. Ça Dommage. joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Et face à une défense regroupée, Le c'est ballon souvent la contré meilleure par option pour Kluivert. trouver des espaces. Donc c'est Torres plutôt intelligent. pour Kluivert sur le côté Il est droit. lancé vers le poteau de corner. Le bon dribble. Le petit. Il choisit de centrer. Oh, dommage. Gabbiadini. Pour trouver la faille dans la défense. Elle s'est Ah, peut-être dommage. un peu emballée sur ce coup. Il lui proposait une solution à droite, mais non, il a préféré y aller Torres, tout seul. Dommage. Kluivert. Ah non. Denis Suarez.
On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il cherchait la profondeur. Ah, Suarez, non, qui ne passera pas. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Ah, attention, Eden Hazard. Eden Hazard qui est passé. Ah, qui cherchait Suarez. Il a préféré jouer la sécurité. Ayovi, Odegaard. Le centre d'Odegaard. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas carré. Une faute là. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Jan cherche la profondeur. Dembélé. Oh, voici Gagliardini. Sergio Busquets. Odegaard qui intercepte. Qui a su tromper la défense adverse. La passe dans la profondeur. Jordi Alba. Rafinha. Qui choisit le côté gauche. Et la mi-temps. Ce score de 1 but à 0 pour donc les le Paris Saint-Germain. Petit but d'écart, rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Le ballon pour Torres. Ah non, je me suis trompé de touche. Ah dommage. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Et c'est directement récupéré. Dembélé. Alex Vidal. Gomez. Allez. Sergio Busquets. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long, attention. Le ballon pour Eden Hazard. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh non. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Walter Ayovi. Barcelone qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher. Voilà pour Kluivert. Vous avez raison. Kluivert. Ah, le centre contré, ce sera un corner. Torres, vers Odegaard et Dark Space qui va rentrer dans les buts avec le ballon. 2-0. Barcelone qui effectue un changement. L'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est alors, le but qui fait du bien. Le changement. Ils peuvent voir venir. Qu'est-ce que je vais faire comme changement? On va faire entrer Mbappé à droite. À gauche, on va faire entrer Neymar. Et puis voilà. Sergio Busquets. Ça joue à gauche. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Gabbiadini. Oh, la frappe de Gabbiadini. Extérieur du cadre. Même si c'est stérile, pour l'instant, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas se décourager. C'est en tirant qu'ils ont une chance de revenir au score. Ayovi. Neymar. Oh, Luis Suarez. Torres. Il relance côté droit. Vers Mbappé. Il allonge. Le ballon vers Suarez. Oh, dommage. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Odegaard. Ayovi. Non. Oh, pas de chance sur ce coup. Non, c'était Mbappé. C'était Mbappé, pardon.
joue dans l'espace. Le coup de sifflet. Et la faute commise sur Mbappé. Il accélère et il déborde. Le centre. Le bon jaillissement. Odoga, oh dommage. Aucun danger pour le gardien. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Il glisse le ballon en profondeur. Ah, ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il choisit la profondeur. Diop. Barcelone pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Neymar. Il joue en profondeur. Vers Luis Suarez. Il tire. Et Torres là-bas. Et la mêlée magnifique. Incroyable qu'on ait été la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il va aller mieux. Oh là. De garde. Le centre vers Suarez. Torres et Mbappé pour le 3-0. Yes. Dans les arrêts de jeu. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. 3-0 pour Paris face à Barcelone. Exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser. Mais et boum, magnifique. Le match le prend 3-0 au tableau d'affichage. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Et ce ballon sur l'aile. Daniel Alves, il a de l'espace. Il y a danger. Il nous fait une attention sur la frappe. Dommage comme ça pour les Barcelonais. C'est contré, Dark Space. Et le contre, non. La victoire 3-0. Torres, Dark Space, Mbappé. Les trois buteurs. Le festival des attaquants aujourd'hui, ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Et 3-0 de la Juve face au Bayern. Rami qui augmente ses talents offensifs. Centre millimétré pour Torres a pris. El Matador, Dark Space. Allez, maintenant on joue face à la Juve. Allez, donc c'est parti face à la Juventus de Turin. Marquinhos, Umtiti, Mbappé qui est en pleine forme, on va le mettre à droite, Neymar à gauche. Est-ce que j'ai d'autres joueurs qui sont... Non. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Fidélité, vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. Allez. L'arbitre donne le coup d'envoi. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous? Je dirais peut-être Mbappé. Il est grand, il est puissant. Vers Odegaard. Oh là là, le but d'Odegaard dès ce début de match. Super. Centre et une tête tout aussi parfaite.
Et est-ce que c'est bien joué ça? Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Neymar. Suarez. Non. Le bon dribble, c'est bien donné. Diop qui cherche la profondeur. Neymar, Suarez, Neymar. Neymar qui est bien placé. Le bon jaillissement. Oh, dommage, le ballon contré. Et Mbappé qui contre la relance. Vers le bout. Attention, Higuain. Il reçoit le ballon. Ah, bien joué, Diop. Bien défendu. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Et le ballon qui sort en touche. Suarez qui lance vers Neymar sur le côté gauche. Ouverture lumineuse. Ça joue à gauche. Le Paris Saint-Germain est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Il écarte le jeu. Et ce sera un 6 mètres. 6 mètres. Diop, Bellerin. Hector Bellerin, Torres, ah non, qui cherchait Mbappé. Quelle passe, c'est récupéré facilement. Bonne intervention, c'est bien donné sur le côté. Walter Ayovi. Ah, dommage, ce ballon de Torres vers Suarez. Pjanic, qui choisit le côté gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ça joue à gauche. Ça, c'est une interception. Bellerin, Mbappé. Pour trouver la vers Torres. Et Torres. Il est passé. Torres, oh, peut-être pour le but. Oh, et le but de Torres pour le 2-0. Début d'avance, la différence est... Juste avant la mi-temps. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. La longue ouverture sur l'aile. Un centre tendu à la terre. Et voici que la pluie. Et ça va être la mi-temps. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. Quel arrêt de Lloris. Cette frappe toute molle. Oui, mais qu'est-ce que c'est bien fait, c'est superbement réalisé. Ça manque un petit peu de précision à l'arrivée, mais le geste est superbe.
Werner, Torres. Le jeu repart vers la droite. Mbappé. Hector Bellerin. Ouverture vers le poteau de corner. Mbappé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il récupère le ballon. Mbappé qui récupère. Oh, vers Werner. Ah, dommage. Quel timing dans l'interception. Pjanic. C'est osé. Il relance côté droit. Il y a peut-être un coup à jouer. Hop, la petite roulette. L'interception, bien joué. Et le ballon capté par Lloris. C'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail. Odegaard. Angie. Werner. Ah, dommage. Un long ballon vers l'avant. Oh, Higuain. Il a trébuché sur Ah, la faute de Darkspace sur Higuain. Là, il y avait clairement faute. Des gestes mal maîtrisés. Logique, cette sanction. Carton jaune. On dirait qu'il s'est blessé sur cette faute. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ce n'était franchement pas le cas. Le ballon contré. Récupère ce ballon. Et Werner. Ayovi, le centre, ce sera un corner. Grâce à l'intervention du défenseur, ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Et Darkspace, non. Ah. Je me disais, Grégoire, il défend souvent en nombre dans l'axe, non. Et vous vous disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force. Bellerin, le centre. Ah non. Vous avez raison. Et ce ballon sur l'aile. Alors que va-t-il faire? Le bon dribble. Elle continue sa course. Et le centre. Le centre bien repoussé de la tête. Et le ballon vers Angie. Angie vers Werner. Et Werner. Le ballon en retrait vers Odegaard. Et Odegaard la frappe. Non, ça sera au-dessus. C'est une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Et l'entraîneur m'a fait rentrer du 109. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Ça manque un peu de solution. Entrée. Pas le choix avec cette défense. Marquisio qui choisit le côté gauche. Ce ballon bien dosé. C'est joué long. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Et ce ballon vers ses attaquants. Ouh là là, Lloris, bien joué. Quelle détente. On la tête. Et voilà, la victoire 2 à 0 de Paris, début de Odegaard et Torres. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Que retenez-vous de cette rencontre? Et victoire du Bayern 1-0. On est premier. Le rapport de ce mois-ci, bon, il n'y a que deux matchs, on s'en fout. Je ne l'ai jamais pris. J'ai jamais regardé. Rami qui augmente. Il est parti à Monaco, je crois. Ouais. À Monaco, en prêt. Et là, il est passé à 76. Le Bayern. Le Bayern de Munich. Une offre pour Pogba de Manchester United. On refuse, clac.
Allez, c'est parti face au Bayern de Munich. On va mettre Areola dans les buts déjà. Ah ouais, non, les deux c'est Bagdad. Origi en pointe. On va mettre Neymar juste là. En défense, on va mettre Kimpembe. Théo Hernandez à gauche. À droite, on va mettre Valencia. Et je mettrai Eden Hazard en soutien. Voilà, on va tenter cette équipe là, comme ça. Avec un Eden Hazard en soutien. Ça peut être pas mal aussi. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Allez. Et on ne vous l'a pas signalé, le coup d'envoi a évidemment été donné. Neymar. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Pour Origi, une première occasion pour Paris. Neymar. Il la repousse. Diop qui est récompensé. Allez, c'est La frappe de Diop par et l'arrêt de le Neuer. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur leur état d'esprit. Le bon de Coman. Ouh, Coman qui frappe à côté. C'est superbe, mais ça ne donnera rien. Quelle inspiration! Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial! Neymar. Il joue dans l'espace. Quelle passe! Ribéry. La longue ouverture sur l'aile. Théo Hernandez, Origi, Hazard. Ah, qui recherchait Origi. Ballon. Ouf. Origi. Vers Kluivert sur le côté droit. Kluivert le centre. Ah, dommage. S'il le trouve. Oh, voici Robben. Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il est passé. Il a centré. Oh, la frappe! Ouh, la frappe contrée. Qui veut se projeter, il allonge et ce sera il a mal un dosé 6 mètres. Son geste. Dommage. Il choisit la profondeur. Un ballon intéressant. Lewandowski, ouf. Dommage que cette passe soit interceptée. Ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là, mais faut qu'il soit plus tranchant.
Long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Oh, Lewandowski. Il file vers le but. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Il joue dans l'espace. Ah, dommage. Le drapeau s'est levé hors jeu. Ah là là, ça se joue à pas grand chose sur cette passe directe. Elle était magnifique, la passe d'Hazard. Le ballon pour Engie. Et Engie qui ouvre le score. 1-0. Et voici l'ouverture du score. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Et on est déjà reparti. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. C'est joué long, attention. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Valencia. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Origi. Origi qui choisit le côté gauche. Muller joue en profondeur. L'interception au bon moment. Hazard. Ouverture vers Hazard le pour Kluivert. Et Hazard. Oh, super barré de Neuer. Oh, quel bel arrêt. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Neymar pour le frapper. Quelle détente. Oh, pas de chance sur ce coup. Bon, c'était pas mal quand même, il était pratiquement encerclé de défenseurs. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Alors, on va faire entrer Niang à gauche. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Müller. Mais il était bien présent. Il décide d'allonger. Engie. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Le bon dribble. Ah non. Vidal. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il mène toujours 1-0 en ce milieu de deuxième période. Vidal. Ça manque un peu de solution. Il écarte, il joue sur l'aile. C'est Robben qui centre. Ouh, attention. Difficile de tirer. Oh, nouvel essai. Ah, et l'égalisation. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Qui centre.
du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Jérôme Boateng dans la profondeur. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Faut se Torres. Projeter vers l'avant, dès maintenant, et le centre contré corner. J'ai écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Le corner de Neymar. Et oh, yaya. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près. Elle est contrée. À force de tenter, ça va finir par entrer. Ouais, par. Ah non. Non, c'est bien ce qui me semblait. Il écarte le jeu. Allez, Torres. Oh non. Et le match nul. Voilà. Un but partout. Entre Paris et Bayern. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Et Barcelone qui s'impose face à la Juve. On finit en tête de cette Super Coupe des Champions. Et Rami qui continue d'augmenter. Offre de poste sélection nationale. Grêmio a fait une offre pour Toulala. Ouais. Toulala, transfert. Est-ce qu'il avait marqué? Non. Trois passes décisives, mais pas de but. Allez, la vente de Jérémy Toulala. Il nous rapporte 5 millions quand même. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde. On a